William et Kate déménagent cet été, comme annoncé par le Daily Mail depuis le début de l'année. Le duc et la duchesse de Cambridge vont continuer à travailler à Londres alors que leurs enfants seront scolarisés dans le Berkshire. Le prince William, duc de Cambridge, assurera un nouveau rôle auprès de ses enfants après ce déménagement. Il a été prévu depuis quelques mois déjà que William et Kate déménagent à Windsor. Une façon pour le prince William, duc de Cambridge, 40 ans, d'être plus proche de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans. Le déménagement de la famille du duc et de la duchesse de Cambridge occasionnera des chamboulements dans leur vie et celle de leurs enfants. Par exemple, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, ont dû changer d'école. En effet, leurs parents, Kate Middleton et le prince William, ont posé leur dévolu sur la prestigieuse école Lambrook School près d'Ascot, dans le Berkshire. L'école se trouve à 15 minutes en voiture de la nouvelle maison de William et Kate, indique The Sun. D'après le média britannique, le prince William, duc de Cambridge, tiendra un nouveau rôle lorsque sa famille aura déménagé à Windsor. En effet, le prince William emmènera ses trois enfants à l'école, d'après une source de The Sun, rapporte le Mail Online dans son article du 23 août 2022. La source rappelle que Kate Middleton, duchesse de Cambridge, 40 ans, a souvent été aperçue à l'école Thomas Battersea en train d'amener le prince George. Selon la source de The Sun, William et Catherine sont tous deux très désireux de faire la course à l'école. Prince William, le duc de Cambridge ne veut pas faire la même erreur que son père. Bien que William et Kate déménagent, ils continueront à travailler à Londres plusieurs jours par semaine. Le duc et la duchesse de Cambridge vont ainsi devoir jongler entre leurs devoirs quotidiens à Windsor et leur travail à Londres. D'après un expert de la famille royale, le prince William tient à être plus présent pour ses trois enfants que ne l'était son père, le prince Charles, prince de Galles, pour lui lors de son enfance. Il estime que l'éthique de travail incontestable du prince Charles a eu un impact direct sur son éducation, surtout après la mort de sa mère. Bien trop souvent, son père a préféré ses fonctions à son rôle de père, a déclaré la source.